Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Montalot sur les réseaux sociaux et nous voilà repartis pour les calendriers. Les calendriers de l'Avent, comme son nom l'indique, ce sont des surprises et qu'on ouvre tous les jours pendant les 24 jours avant Noël. Donc, pour les personnes qui arriveraient sur ce podcast par hasard et qui ne veulent pas voir un déballage de cadeaux de laine, eh bien, passez votre chemin parce que cette vidéo n'est pas faite pour vous. En effet, j'ai reçu quelques commentaires un peu déroutants, mais pour les personnes qui n'aiment pas, ne vous faites pas de mal, passez votre chemin. Inutile de mettre des commentaires désagréables, je les supprimerai. Pour tous ceux qui aiment voir de la laine, rêver devant des couleurs, eh bien, bienvenue! Alors, le programme, eh bien, on va ouvrir tous les jours qui restent en une seule fois parce que je suis en retard. Je n'ai pas ouvert mes paquets parce que d'abord je voulais le faire en même temps que je vous en parlais pour avoir un peu l'effet surprise et puis en même temps j'étais occupée par ailleurs. Donc tout ça n'est pas bien grave, c'est de la laine et ce sont des petites surprises donc on se les garde. Alors, on commence avec le jour 20. Alors, le jour 20 du palais d'été, parce qu'on continue d'ouvrir, les sachets de thé, thé des vaillinés, thé vert, vanille et amande. Bon, bah écoutez, ça devrait me plaire. J'ai dégusté quelques thés dernièrement, je ferai un tout petit commentaire en fin de parcours ou au premier podcast de l'année prochaine sur mon ressenti sur l'été, mais c'est tellement particulier, c'est tellement personnel que chacun peut aimer, l'autre pas, donc bon voilà, je vous en dirai mon ressenti, mais ça n'engage que moi. Donc, ce sont des thés du palais d'été et le thé des vaillinés. Bon, ben, ça nous promet du soleil. Alors, la petite pensée derrière le thé des vaillinés. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. André Gide, ce qui est bien vrai. D'ailleurs, c'est le cas pour moi pour le point brioche. J'ai l'impression que c'est impossible. Peut-être que le jour où je m'y mettrai, je trouverai ça simple. Alors, la confiture vin. La confiture de vin, c'est mangue. Oh, c'est mangue passion. Mangue passion. Bon, ben ça, j'aime, hein. Alors, j'avais mis en décoration les rois mages que vous avez vus. Il y en a un qui vient de tomber. Je le laisse par terre, il n'ira pas plus bas. Le jour 20 du calendrier de Une maille à la fois, c'est ceci. C'est un gros écheveau de polaire. 400 mètres, 100 grammes, fingering. Alors, c'est impressionnant parce que ça paraît énorme. Je vais vous montrer un fil, voilà, alors c'est un fil un peu peluche, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, 38% bébé alpaga, 25% mérino, 37% coton, se tricote en 4 et 5,5 et le nom de la couleur c'est Philo, voilà, un beau violet,
Alors, je crois que je sais déjà ce que je ferai avec. J'ai vu un petit châle que je ferai avec. Alors, je vous mettrai le nom et une photo, parce que là, comme ça, tout de suite, j'ai plus la référence, mais je vous montrerai ce que je pense faire avec ceci. Ah, alors, la petite histoire s'était envolée, dites donc. Nous voilà bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit pour le jour 20, Stéphanie? C'est parti pour une nouvelle aventure laineuse. On a longtemps réfléchi à ce troisième et grand projet et on a vraiment eu envie de vous faire découvrir notre petit chouchou de l'année, notre laine polaire. Composée de mérino, de coton et de baby alpaga, elle offre un fil ultra gonflant et super doux. À regarder comme ça, on peut être sceptique, mais à la travailler, on ne peut que l'adorer. Ne vous découragez pas au bobinage, elle peut coller légèrement, mais dès que vos mailles vont prendre forme, on vous promet que vous allez l'aimer autant que nous. Eh bien, on espère. Je verrai bien. Je vous en parlerai. Et on continue l'aventure d'Annabelle. Notre jeune tricoteuse ne tricotait plus, désespérée de s'être fait voler sa boîte. Annabelle décida de ne pas en rester là. Déterminée à retrouver sa boîte, elle enquêta sur l'archiduc. Sans attendre, elle se rendit au port pour interroger les passants et commerçants et recueillir des indices. « Aviez-vous déjà vu le bateau de l'archiduc? Savez-vous où il demeure ?» Elle apprit que l'archiduc venait de très loin et n'avait accosté son bateau au port du village qu'une seule fois pour demander à Annabelle sa boîte magique. Après cette première journée d'enquête au port et au village, Annabelle et Filou décidèrent de rentrer pour analyser de plus près les traces de pas laissées par les serviteurs de l'archiduc le soir du vol. Mon Dieu, que ceci est intriguant! Le vin de chez mon Didier. Le vin de chez mon Didier. Alors là, il nous a apporté le soleil qui manquait à nos journées. Regardez si c'est joli. J'aime ces tons-là. C'est jaune, mais c'est jaune chaud, c'est jaune. Voilà, j'aime. Bon, ben j'aime. Alors, on ajoute ça. On ajoute ça sur la petite tringle magique. Et là, on part, voilà. On part au soleil. Alors, je vais faire pareil pour l'autre. Puisque j'avais sorti ma... Alors, voilà. Voyez. Alors, j'ai regardé certaines photos sur Instagram et des vidéos et en fait, personne n'a le même calendrier visiblement. Enfin, on n'a pas toutes les mêmes, tous et toutes les mêmes couleurs. Il y a des calendriers qui sont beaucoup plus en bleu et donc moi, je suis dans les roses et violets. Bon, il y a une logique hein, quand même. Je vous lis ma petite histoire du jour, parce qu'on continue notre périple, et nous allons en Suède. Et donc, c'est Sainte-Lucie. Alors, Sainte-Lucie, c'est les lumières. Voilà, l'image du jour, Sainte-Lucie. La fête de Santa Lucia, ou Sainte-Lucie, est célébrée le 13 décembre et marque le début de la saison des fêtes en Suède. Cette date correspondait à ce qu'on croyait être la plus longue nuit de l'année sous l'ancien calendrier julien. Le nom Lucia est dérivé du mot latin lux, qui signifie lumière. Et la célébration est profondément ancrée dans la symbolique de la lumière chassant l'obscurité. La légende raconte que Sainte-Lucie était une jeune chrétienne de Sicile
qui a été martyrisé au début du 4e siècle pour sa foi. Excusez-moi. Elle est souvent représentée portant une couronne de bougies allumées symbolisant la lumière dans les ténèbres. En Suède, il est traditionnel pour les filles de se vêtir en lucia, portant de longues robes blanches et une couronne de bougies sur la tête. Elles défilent en procession, chantant des chants traditionnels de Sainte-Lucie, alors que les garçons habillés en stjärngossar, garçon étoile, stjärn, ah oui, stjärn, les stern ou tout ça, ça, en allemand c'est stern, en anglais c'est star, et donc en suédois c'est stjärngossar, garçon étoile, les accompagnent avec des chapeaux ornés d'étoiles. Un élément traditionnel de cette célébration est le lusseka, un pain suédois safrané en forme de spirale, souvent servi avec du glögg, un vin chaud épicé. Eh bien, dites donc, on aura fait une part de vocabulaire aujourd'hui. L'interprétation de la chose. La célébration de Santa Lucia en Suède est un rappel symbolique de la promesse de la lumière revenant dans le monde, même pendant les jours les plus sombres. Elle incarne l'espoir, la persévérance et la foi, rappelant aux gens de rester forts et unis, même dans les moments difficiles. Et voilà, c'était Santa Lucia. Bon, et bien écoutez, la suite au prochain numéro. Alors, comme je vous ai dit, on continue. Alors, le 21, chez une maille à la fois, pas de laine. Pas de laine, mais un petit mot. Alors, un petit mot. Et voici le jour tant attendu, celui du fameux ticket d'or. Une d'entre vous va trouver ici le ticket d'or. Il permet de gagner le calendrier de l'Avent 2024. Il est glissé dans une des pochettes du 21 décembre de façon super aléatoire. Bon, moi, je ne l'ai pas eu et je n'aime pas le principe. Je le dis franchement, on n'est pas là pour subventionner le calendrier de l'année prochaine. Je n'ai pas acheté un calendrier pour avoir un ticket d'or pour une des personnes, les, je ne sais pas combien de personnes qui ont acheté le calendrier. Vous allez dire que ce n'est pas gentil, mais voilà, moi ça ne me correspond pas. Hein. L'idée ne me correspond pas, c'est tout. Alors, j'aurais préféré une petite babiole, une surprise, mais pas un ticket d'or pour une personne. Alors, Annabelle décida de couper par les bois où passait la rivière, où les oiseaux chantaient et où le vent sifflait entre les branches d'arbres. Soudain, quelque chose attira la curiosité de notre jeune Annabelle. Quelque chose flottait sur la rivière. Ni une ni deux, la jeune fille s'empressa de rejoindre le bord de l'eau et avec un bâton essaya d'attraper ce qui semblait être une boîte. À deux doigts de tomber dans l'eau, Annabelle parvient à attraper cet objet qui dérivait au fil du courant. Et ben voilà! Elle a retrouvé sa boîte. Bon, voilà. Excusez le petit mouvement d'humeur par rapport au ticket d'or. Ça n'engage que moi, comme on dit. Donc, le 21 chez Didier. Ah, ben voilà. Le 21 chez Didier, nous restons dans la gaieté. Alors là, c'est magnifique aussi. Regardez ça. C'est très, très coloré. C'est très, très coloré. Hein. Un joli mélange. Il y a un peu de rouge, un peu d'orangé, de safrané, de curry. Ça sent les épices. Alors, donc, comme disait Didier, moi je vends de la laine, ne cherchez pas des goodies dans mon calendrier. Mais au moins, on a des jolies surprises tous les jours. Regardez si c'est beau. C'est magnifique. Alors, le 21 chez... Dans le thé, si j'arrive à l'attraper, ce qui
n'est pas évident. Voilà, le 21, dans le... c'est du Sencha. Sencha-Arlac, délicaté, vert, frais et tonique. Thé vert japonais frais et tonique au goût végétal et très légèrement iodé, très agréable pour le matin. Oui, j'aime beaucoup le Sencha. Voilà le Sencha. Et la petite pensée qui va avec le Sencha. Je tiens dans mes mains un bol de thé. Toute la nature se retrouve dans sa couleur verte. Soitsu Shen. Oui, bien, voilà, une considération. Et dans les confitures, le 21, c'est de la fraise. Comme je dis, c'est la confiture des enfants. Moi, je me rappelle que quand j'étais gamine, je n'aimais que la confiture de fraise. Voilà. Je vous lis ma petite histoire. Ah, alors là, les nageurs de Noël en Irlande. Alors, on va dans une ambiance un peu glaciale. Hein. Voilà, et ça nous dit quoi? Un rituel étonnant a lieu chaque année dans certaines régions d'Irlande. Et également dans d'autres parties du monde. Le matin de Noël, alors que la plupart des gens sont blottis bien au chaud chez eux, un groupe intrépide choisit de plonger dans les eaux glaciales de l'océan pour une baignade festive. Ces Christmas Swimmers, ou nageurs de Noël, bravent le froid pour célébrer la saison des fêtes d'une manière unique. En Irlande, ce rituel est particulièrement populaire dans des endroits comme la plage de Sandy Cove à Dublin. Pour beaucoup, c'est une tradition familiale transmise de génération en génération. Certains nageurs se déguisent, portant des bonnets de Père Noël, des costumes ou d'autres tenues festives, ajoutant une touche de gaieté à l'événement. Plus qu'un simple défi physique, la baignade de Noël est souvent liée à des œuvres caritatives. De nombreux participants collectent des fonds pour des œuvres caritatives ou des causes locales, transformant leur plongeon courageux en une opportunité de redonner à la communauté. Et donc, l'interprétation, la baignade de Noël est une célébration du courage, de la communauté et de la générosité. Elle rappelle que même au cœur de l'hiver, l'esprit humain peut trouver des moyens de célébrer, de s'unir et d'apporter de la lumière aux autres. C'est aussi une manière de se connecter profondément avec la nature, embrassant la puissance revigorante de l'océan. Et oui! Alors, il y a Gabi qui vient d'ouvrir en grand la porte. Voilà. Je vais m'empresser d'aller fermer. Voilà, petite Gabi. Et nous allons passer au jour 22. Alors, de la laine chez une maille à la fois. Eh bien, quand on aime, on ne compte pas, on a le même. Donc, on peut faire un projet avec ces deux fois le même écheveau. Voilà. Donc, on est dans les mêmes couleurs, hein, on ne change pas. Je suppose qu'à un moment donné, je vais avoir la même chose en rose pour équilibrer avec ça. Mais bon, on verra. Peut-être que je me trompe. Le 22... Ah non, Chantal, le 22, il y a la petite histoire. Alors, le 22... Oups! Que voici une seconde polaire de notre couleur A. Le mystère reste complet. Qu'allons-nous vous inviter à réaliser avec ces deux écheveaux maintenant en votre possession? D'accord. Alors,
la petite histoire d'Annabelle maintenant qu'elle a retrouvé sa boîte. Et c'est alors que Filou, tous les animaux de la forêt et Monsieur Norman qui coupait du bois un peu plus loin entendirent Annabelle s'écrier « Je l'ai retrouvée !» Mais était-ce vraiment Annabelle qui avait retrouvé sa boîte magique ou la boîte magique qui avait retrouvé Annabelle? Toute joyeuse, la jeune fille rentra chez elle plus heureuse que jamais. Illico presto, elle se remit à tricoter. Un bonnet pour Filou, des moufles pour papy, des chaussettes pour mamie, un gilet pour maman, un pantalon pour papa. Elle se promit alors de ne plus jamais perdre sa boîte et de toujours continuer à tricoter jusqu'à l'impossible. Inspirée par ce fil multicolore de la boîte magique, Annabelle décida de faire une garde-robe complète à Filou. Il s'en était reparti de la production sans fin d'Annabelle. Ah oui, d'accord. Il s'en était reparti de la production sans fin d'Annabelle. Ben écoutez, elle va vite, hein, tricoter. C'est pas mon cas. Alors, le 22 chez Didier. Le 22 chez Didier. Waouh! Oh, c'est des tons chauds. Regardez si c'est beau. Alors, est-ce que vous le voyez aussi lumineux que ce que c'est? Peut-être pas. Il faudra que je fasse des photos. Alors là, c'est pareil. Hein, c'est vraiment joli. Alors. Ici. Regardez. C'est chouette, hein? Oh, je suis impressionnée. Bon, je veux pas en faire des caisses, mais écoutez, franchement, donc voilà. Le 22 dans les confitures, on a de la poire. Ah, j'aime encore bien. De la poire, c'est délicat la poire. Alors le 22, c'est Blue of London, un thé noir de Yunnan associé à une bergamote fraîche et délicate pour un mélange remarquable d'équilibre et de finesse. Oui, ben moi dès qu'il y a un peu de bergamote, j'aime bien. J'ai longtemps bu du Earl Grey avec de la bergamote. J'aime bien. La petite pensée qui va avec. Je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher, simple plaisir de voyager. Robert Louis Stevenson. Ben écoutez, moi, je voyage, mais sans marcher. Je voyage dans mes pensées. Alors, la petite histoire. Le petit conte. Alors, le petit conte du jour, le Hou et le Lierre en Angleterre. Voilà. Une jolie image. Alors, le Hou et le Lierre. Le Hou et le Lierre sont des symboles profondément ancrés dans la tradition de Noël. Depuis l'époque pré-chrétienne en Europe, ces plantes étaient utilisées lors des célébrations du solstice d'hiver, symbolisant la vie persistante au cœur de l'hiver. Le hou, avec ses feuilles persistantes et ses baies rouges vives, est considéré comme un symbole de protection et de bonne chance. On croyait qu'il éloignait les mauvais esprits et qu'il représentait la masculinité. Le lierre, en revanche, avec sa capacité à s'accrocher et à s'enrouler autour d'autres plantes et structures, était souvent vu comme féminin et symbolisait la dépendance et l'amour. Avec la christianisation de l'Europe, ces plantes ont pris une nouvelle signification. Le hou, avec ses feuilles pointues et ses baies rouges, est venu à symboliser la couronne d'épines de Jésus et les gouttes de sang qu'il a versées. Le lierre, souvent associé à l'immortalité, est devenu un symbole de la résurrection. Aujourd'hui, ces plantes ornent souvent les maisons pendant la saison des fêtes, que ce soit sous forme de couronne, de guirlandes ou de décoration. Et l'interprétation, le hou et le lierre illustrent la manière dont les traditions anciennes peuvent être adaptées et adoptées dans de nouveaux contextes religieux ou culturels. Ils rappellent aussi la persévérance de la vie pendant
les mois d'hiver et la promesse du renouveau. Leur utilisation continue à Noël sert de lien avec les générations passées et les célébrations anciennes de la lumière au cœur de l'obscurité. Donc, je vous remontre la belle image. Voilà. Et on va passer au jour suivant. Alors, le jour suivant, eh bien, c'est le 23. Et donc, le 23, eh bien, c'est ce que je vous disais. Le 23, voilà. Nous avons le rose dans la polaire. Alors, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Et je sais déjà que le 24, il n'y a pas de laine parce que l'enveloppe est toute petite. Alors, le 23. Le 23 chez mon Didier. Ah ben non, il faut que je vous parle de la petite histoire. Le petit mot du jour, vous êtes en forme, on n'a jamais été aussi proche de Noël, n'est-ce pas? On a tellement hâte de découvrir nos surprises et sûrement encore plus de faire plaisir à celles et ceux que l'on aime avec tous les cadeaux que nous avons déjà soigneusement préparés. On y est presque. Et voici votre dernier tuto pour utiliser vos polaires. On vous invite à le découvrir. Ah non, oui, c'est ça, jour 23. Alors, la petite histoire d'Annabelle. Noël approchait, elle était heureuse et elle avait retrouvé sa boîte. Elle voulait faire des cadeaux au monde entier. Mais l'archiduc avait eu vent du retour des couleurs dans le village d'Annabelle. Fou de rage, il comprit qu'elle avait récupéré la boîte magique, bien qu'il ne comprît pas comment cela pouvait être possible. À force de chercher une explication, il se mit à croire que Annabelle était une puissante sorcière et que ce n'était pas lui qui l'avait maudite, mais elle qui lui avait lancé un sort. Terrifié parce que tellement superstitieux, il embarqua sur son bateau et se rendit de nouveau au village de la jeune fille. Arrivé à bon port, il s'empressa de trouver la jeune tricoteuse. Il fut surpris de voir que tout le monde portait des ouvrages en laine et qu'ils étaient tous tellement joyeux. L'archiduc se présenta au domicile de la jeune fille. Toc, toc, toc. Jeune fille, c'est l'archiduc. Pourrais-tu m'ouvrir? Je souhaiterais m'entretenir avec toi. Annabelle, surprise, ouvrit la porte. Bon, alors, que va-t-il lui dire? Le brave archiduc. Et le 23, chez mon Didier. Waouh! Alors, c'est pareil, ce sont des tons chauds. On retourne vers du marron, du rouille. Voilà, là vous devez le voir mieux. Il n'y a pas tellement, il fait tout gris, hein. Voilà, et je le pose sur la baguette magique. Voici. Donc voilà. On boucle la boucle comme on repart vers du marron, plus chaud. Et le 23, le 23 du thé. Le 23 du thé, c'est du thé de hammam, thé vert, fleurs et fruits rouges. Ben, je crois qu'on en a déjà eu un comme ça. Et qu'est-ce que ça dit? Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climat. Marcel Proust. Oui, ça, je suis bien d'accord. Et les petites confitures. Le 23.
23. Le framboise. Oui, bah ça aussi, j'aime bien. Ou alors le matin, je me mange mes petites confitures. J'adore. Maintenant, je ne vous ai pas lu la petite histoire, le petit conte. Alors, le petit conte. Tomte en Norvège. Alors, voilà l'image. Paysage enneigé. Et ça dit quoi? Dans le froid des pays nordiques, alors que l'hiver apporte de longues nuits et des étendues enneigées, une créature discrète veille sur les maisons et les fermes, la tomte. Cette figure mythique, aussi appelée Nis au Danemark et en Norvège, est une sorte d'esprit domestique ou de lutin associé à l'hiver et à Noël. Selon la légende, le tomte est un être de petite taille, mesurant seulement quelques dizaines de centimètres, mais possédant une force surhumaine. Il porte généralement un bonnet rouge pointu, une barbe blanche et des vêtements simples. Traditionnellement, le tomte protège les habitants et les animaux d'une maison ou d'une ferme, mais il est aussi connu pour avoir un caractère parfois capricieux. Si on le néglige ou si on le mécontente, il peut jouer des tours ou même infliger des malheurs. Durant la période de Noël, il est de tradition d'offrir au tomte une assiette de porridge avec une noisette de beurre. Cette offrande est un geste d'appréciation pour la protection et la bienveillance du tomte tout au long de l'année. Et donc, l'interprétation, le mythe du tomte rappelle l'importance du respect envers tous les êtres, visibles ou invisibles. Il incarne la croyance en des forces bienveillantes qui veillent sur nous. Mais aussi la nécessité de montrer de la gratitude et de l'appréciation. En période hivernale, le tomte symbolise également la chaleur et la sécurité du foyer face au froid extérieur. Voilà le tomte. Et donc, on n'a plus qu'une histoire. Et le jour 24, c'est ce que je vous disais, pas de laine. Alors, c'est en ça que j'ai trouvé ce calendrier très, très maladroit. Depuis le départ, voilà. C'est pas un mauvais calendrier de l'Avent, on ne peut pas aller jusque-là, on a de la laine. Mais franchement, voilà, et voilà. Hein? Et puis là, c'est pas fini. Hein? Alors, bon, je n'en dis pas plus. Chacun voit. Chacun voit. Alors, jour 24, nous y sommes. Ici se termine notre aventure du calendrier de l'Avent 2023. Et c'est avec le dernier écheveau de polaire qu'on a donc eu hier, celui avec lequel vous ferez votre jacquard, que nous terminons ensemble ce joli parcours. Et on espère que vous allez l'aimer. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci infiniment de nous avoir fait confiance. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition, déjà dans nos tuyaux. Bon, ben, ça sera sans moi, parce que non. Parce que non, non cette année, j'ai pas été enchantée par ce calendrier. Et donc, on termine avec une note plus joyeuse. Alors, l'histoire d'Annabelle, le fameux archiduc. Je dois savoir si tu as la boîte magique et comment tu l'as retrouvée. Annabelle lui répondit, ah, donc c'est bien vous qui me l'aviez prise. Elle est revenue à moi tout comme la première fois que je suis tombée dessus, par hasard. L'archiduc lui demanda ensuite, pourquoi n'y avait-il plus de fil lorsque j'ai moi aussi voulu contempler la laine de cette boîte? La jeune fille, d'un air léger, lui dit, cette boîte ne dévoile son trésor qu'aux personnes bien intentionnées. L'archiduc renfrogné hocha la tête pour montrer qu'il avait saisi le message et lui demanda une écharpe digne des plus grands tricoteurs.
Annabelle réfléchit. L'archiduc mérite-t-il vraiment que je lui tricote un ouvrage? Elle accepta. Après tout, elle avait de la laine à foison et l'archiduc avait l'air d'avoir à son tour ouvert son cœur aux couleurs. Et c'était Noël après tout. Voilà. Bon, alors, chez mon Didier. Le 24. Ah ben voilà, on est dans la continuité. C'est ce que je vous disais. On avance. Voilà, ça va vraiment bien ensemble. Ah ben voilà comment je peux vous les montrer pour que vous voyez bien les couleurs. Voilà. Allez, j'ai trouvé le truc. Et le 24, deux petites confitures de Noël, c'est de la poire. Eh bien, on retourne dans la délicatesse. Alors, un beau paquet bleu. Et c'est quoi? Infusion de Noël. Bah oui, infusion santéine aux notes fruitées et épicées, inspirée de notre recette numéro 25 des fêtes de fin d'année. Oui, bien moi je l'aime bien leur thé vert numéro 25. Là. Donc ça va me plaire. Et la petite pensée qu'elle est avec. Joyeux Noël, venez prolonger votre découverte du thé dans nos boutiques. Bon, ben voilà. Hein, ils nous encouragent. Alors, je vous lis la dernière petite histoire des gobelins de Noël en Grèce. Alors, voici l'image. Une jolie maison illuminée. Et qu'est-ce que ça nous dit? Dans les légendes grecques, les Kalikantsaroi sont des gobelins malicieux et espiègles associés à la période des fêtes. Ces créatures souterraines émergent généralement pendant les 12 jours de Noël, du 25 décembre au 6 janvier, période durant laquelle on croyait que le monde terrestre était le plus vulnérable aux forces du mal. Les Kalikantsaroi passent le reste de l'année à essayer de couper l'arbre du monde, un arbre massif qui soutient la terre. Cependant, chaque année, juste avant qu'ils ne réussissent à couper l'arbre, Noël arrive et ils remontent à la surface pour semer le chaos. En leur absence, l'arbre guérit et le cycle recommence l'année suivante. Durant les 12 jours où ils sont actifs, les Kalikantsaroi causent toutes sortes de problèmes. Ils éteignent les feux, gâtent la nourriture, urinent dans le lait et effraient les animaux. Décidément. Les Grecs ont élaboré plusieurs traditions pour les repousser, notamment en plaçant un grand tison de bois, l'ogaras, dans le feu, qui brûle continuellement pendant 12 jours. Les tisons carbonisés sont ensuite utilisés pour bénir la maison. Il est également courant de suspendre une branche de basilic trempée dans de l'eau bénite au-dessus de la porte pour éloigner ses esprits. Et l'interprétation, les Kalikantsaroi, comme d'autres figures mythologiques malicieuses des fêtes, rappellent l'équilibre entre le bien et le mal et la nécessité de rituels, et de traditions pour protéger la maison et la famille des forces obscures. Leur histoire reflète le cycle sans fin de la vie, de la destruction et de la régénération. Eh bien, nous voici régénérés. Et c'était donc la fin des mythes et légendes de Noël. J'espère que ces petites histoires vous ont amusé un temps, quand même, parce que moi, ça m'a amusé de découvrir tous ces petits contes. Et puis voilà, ça apporte un peu de distraction. Alors, figurez-vous que chez Didier, c'est pas fini. Il y a encore le 25 et... Je vais l'ouvrir d'avance. Donc, je n'attendrai pas le 25 pour l'ouvrir. Tant pis. Je l'ouvre avec vous. Waouh! Et c'était 50 grammes.
assez identique à un qu'on a eu là. Enfin non, est-ce qu'il... Non, il n'est pas identique. Voilà. Voilà le... Alors, je vous refais comme tout à l'heure. Voilà le 25. Donc, je suis absolument ravie de mon calendrier. C'est magnifique. Alors, il y a encore un paquet avec le calendrier de l'Avent de Didier qui est noté « Joyeux Noël ». Donc, je découvrirai ça sous mon sapin parce que je ne sais pas si ça fait partie du calendrier. Donc, je ne sais plus. Vous savez, moi, quand je passe les commandes, quand je passe les commandes, il se passe du temps après. Donc, je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Mais en attendant, voilà le calendrier de l'Avent, tel que Didier nous l'a conçu. Et franchement, c'est une merveille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Alors, comme c'est pas assez... Vous savez, moi, je suis insatiable. Je vous montre. J'ai passé une commande chez Obi. Parce qu'il y avait 50% de remise... ces jours-ci, il y a la semaine, au début de la semaine ou la semaine dernière. Alors, j'ai commandé du Unicorn, qui sont normalement à 20 euros les chevaux, et donc là, je les ai eus à 10 euros. Alors, Unicorn, alors là, c'est le turquoise, j'en ai pris 3 échevaux. J'ai pris le bleu, ça doit être bleu navy. Voilà, un beau bleu. Et puis, j'ai pris un écheveau de celui-ci, c'est le Dark Navy ou quelque chose comme ça. Il est un peu plus foncé, vous voyez? Il est un peu plus foncé. Bon, alors, j'ai pris celui-ci au cas où je ferai des chaussettes avec un motif, enfin, ou pour faire les contrastants, parce que c'est mérino nylon, hein, ça. C'est 75-25, 75 mérino, 25% polyamide. Voilà. Donc ça, c'était chez Obi, à cause ou grâce à la promotion. Et puis, je voulais vous montrer aussi quelque chose, parce que les images sont trompeuses. J'ai vu, il y a, pareil, la semaine passée, ou au début de la semaine dernière, j'ai vu passer sur Instagram une photo de Stephen West qui montrait un châle, je ne sais plus si c'était le Botanic Shawl, je crois, dans des tons rouges vifs. Je vous mets la photo là. Et quand j'ai vu ça, oh, j'ai dit c'est magnifique, ça me plaît. Et donc, le rouge vif uni, j'ai de l'alpaca de Drops en rouge vif. Donc, j'en ai une quinzaine de plots, donc, parce que j'aime beaucoup l'alpaca. Donc, quand il y a des promos sur l'alpaca chez Kalidou, par exemple, eh bien, je fais toujours une commande d'alpaca parce que j'aime cette laine. Bon, alors ça, donc j'en ai d'avance. Et... Stephen West disait que son châle, parce que dans le botanique, vous avez vu la photo, il y a une laine qui est, comme on dit, un peu dégradée. Et ça, c'était de la Zauberball Crazy avec un numéro.
Et ça me semblait assez vif, assez... Voilà. Oh, je dis, tiens, je commande ces deux pelotes-là pour faire avec mon alpaca rouge. Et vous allez voir, j'ai reçu mes deux Auberbaum, puisqu'il en faut deux. Et voilà. Alors, vous voyez que ça n'est pas du tout aussi vif que ce qu'on voit. Vous voyez, le rouge, là. Moi, j'avais l'impression que ça allait être très rouge vif, et pas du tout. Alors, ça sera joli, hein, parce que avec mon alpaca rouge vif, et puis ça sera certainement... Mais j'ai été étonnée parce que ça ne correspond pas à la couleur que je voyais sur la photo sur Instagram. Et je suis retournée voir. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas la... Mais si, c'est ce numéro-là. C'est le Zauberball 2231 Burnt Metal. Voilà. Et bon, alors... Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bien doux. Et donc, j'ai bien avancé sur mon tricot. Malgré mon problème de tendinite qui semble s'estomper. Je soigne, à coups d'Arpagophytum et de gel et d'huile essentielle. Mais ça commence à... Voilà, c'est beaucoup plus souple. On progresse, on progresse. Alors, je vais donc vous laisser avec une sélection de patrons, comme d'habitude, et puis en vous souhaitant de joyeuses fêtes. Profitez bien en famille ou dans votre coin comme nous, puisque nous sommes tout seuls par ici. Mais on fera un Noël tranquille au coin de notre feu. Et voilà, donc je suis donc ravie de vous avoir accompagné un petit peu. Ah ben je voulais remercier, je voulais remercier aussi parce que il y a encore des gentilles personnes qui m'ont gâté. J'ai Suzanne qui m'a offert le patron le Wester by Créa numéro 44. Donc je vous le mets en photo. Alors Suzanne, elle est au Canada. Et j'ai reçu le Little Cove Mountain de Frédéric. Merci, mesdames. Je vous adore. Vous êtes des amours. Ça, voilà, ça me fait plaisir, vous savez. Ça me fait énormément plaisir. D'autant que ce sont des patrons, effectivement, que je voulais tricoter. Donc, ben, comme le tiret qui m'avait été offert l'année dernière, au moment des vœux, et voyez, je l'ai tricoté là maintenant. Alors, évidemment, je ne tricote pas les modèles que vous m'offrez tout de suite, mais ils sont sur mes aiguilles parce que vous avez la bonne idée de puiser dans dans ma liste que je mets en wishlist. Et effectivement, quand je les mets là, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, merci. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Ah oui, j'ai aussi reçu de Janine. Alors Janine, c'est une dame belge qui vient d'être en retraite. Je lui souhaite bonne retraite, joyeuse fête. Et elle m'a offert le Juste Sassy. J'avais montré dans une... Ah ben, on a notre Gabi. On a notre Gabi! Voilà, on a notre petite Gabi qui fait sa folle. Hein? Oh, on a notre chasseuse.
Oui. Oh, raconte. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis joyeux Noël? Hein? Allez, file. Oui, le juste s'assit, je vous le mettrai en photo. Et il y a Lydia, Tricotte, ça doit être Lydia, qui m'a offert le Dream Shawl et le Magnolia Chunky. Alors, là, franchement, j'étais scotchée encore. Je dis, mais c'est pas possible, elles sont adorables. Bon, bah écoutez, merci, merci beaucoup. En plus, c'était tombé un jour où j'avais pas trop la frite, comme on dit, parce que, bon, un petit tour au centre hospitalier pour mon homme, enfin, des bricoles, mais des contrariétés. Hein, comme on dit. Alors, c'est vrai que ça vous plombe un peu. Voilà, c'était rien de bien dramatique, hein. Mais c'est vrai que quand vous êtes obligé d'aller faire un tour à l'hôpital, c'est toujours moi ça me fout le bourdon à l'hôpital. Alors, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont obligés d'y aller régulièrement pour des examens ou pour des contrôles. Parce que moi, mon mari, c'est le cas, hein, c'est des contrôles, des machins comme ça. Bref, alors, ça m'a réconfortée. Quand je suis rentrée, j'ai vu que j'avais des patrons dans ma bibliothèque. Oh, j'ai dit, tiens, la journée n'est pas complètement moche. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, c'est tout pour maintenant. On va arrêter ici la petite série. Et je vous remercie infiniment d'avoir été au rendez-vous et de toute votre gentillesse, de tous ces gentils messages. Franchement, j'adore vous lire. C'est merveilleux. Certaines d'entre vous... Au fil des discussions, me racontent des petites choses où on a des choses en commun. Enfin, voilà, parce que je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui approchent mon âge ou des plus jeunes. Mais c'est vrai que quand on suit une chaîne, en fait, pour moi, c'est comme ça. Souvent, on a quelques affinités avec les personnes qu'on suit. Et c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir en discuter occasionnellement. Donc voilà. Donc merci pour tout ça, parce que ça m'a bien accompagnée en décembre. Vos mots gentils, c'est réconfortant. Moi qui suis toute seule dans mon coin de campagne, j'ai plus beaucoup de famille. Hein, j'ai juste un petit frère et il est très loin. Et mon mari, c'est pareil. On a nos parents, nos mamans, on a tous les deux nos mamans, mais elles sont bien âgées et vous savez ce que c'est que les dommages de l'âge, ce qui fait qu'on n'a plus vraiment des relations avec les parents parce qu'ils sont dans leur monde. Et donc voilà, alors c'est vrai que en décembre, là, je me suis sentie entourée d'une bulle de gentillesse à part deux, trois personnes dont j'ai parlé en départ de vidéo. Mais sinon, c'est vrai que vous êtes tous des amours. Donc, je vous souhaite joyeux Noël et on se retrouve en janvier. Profitez bien de la période des fêtes et je vous embrasse. À bientôt.
podcast 64, sélection de patrons. Alors, des accessoires, des pulls, hommes-femmes, des châles, une couverture, des petites mignonneries pour les fêtes et deux gilets. On commence avec un patron pour homme, un pull pour homme, le Men's Sailing Sweater de Claudia Finlay à 8,01 €. Il se tricote en worsted en aiguille 4 et 4,5. Il a un col double avec un i-cord avec un lien. C'est un pull qui fait un peu sport avec des jeux de côte torse. Ce ne sont pas des torsades, mais voilà, c'est un joli motif. Alors, il y en a partout, devant, derrière, sur les manches. Je pense qu'il faut être patient. Mais c'est un beau pull. Alors, il faut se méfier de l'encolure. Je la trouve un peu large. Mais je pense que ça peut être corrigé, ça. Voilà, c'est un patron en anglais. Ensuite, le Flaptastic, c'est un bonnet style chapka qui va de la taille bébé à adulte, grand adulte, homme. Et sa particularité, c'est qu'il est doublé, la partie basse ici est doublée. Et vraiment, c'est très joli. Alors, je l'ai vu tricoter par Vagabonde, Vanessa. Je pense qu'on va trouver son projet ici. Où est-ce qu'elle l'aurait mis? Elle a dû le mettre. Si vous allez voir son podcast, elle le montre dans son podcast. Je ne le vois pas là, mais elle l'a fait l'intérieur en mohair et franchement, c'est vraiment sympa. Je ne le vois pas dans les modèles, elle n'a pas dû le rattacher, à moins que ce soit celui-ci. Non, Stéphanie Gabias. Alors je dis ça, mais c'est peut-être Stéphanie Gabias. C'est peut-être Stéphanie, oui, c'est peut-être plutôt sur le podcast de Stéphanie. Je vous dis des bêtises. Voilà, c'est peut-être celui-là. C'est plutôt celui-ci. Oui, c'est Pompon Tricot. Et vous voyez, elle a fait l'intérieur avec... alors, elle le porte, mais c'est pour son papa ou son beau-père, enfin, voilà. Et l'intérieur, ici, c'est en mohair jusque-là. Et ensuite, voilà, vous faites l'extérieur de la même façon. Et oui, c'est là, c'est Stéphanie. Elle l'avait fait en test, effectivement. Donc, voilà, un bonnet... qui emboîte bien la tête, à 6,43 € de Camille Descoteaux. Un autre bonnet. Alors moi j'aime bien ces bonnets avec des petites oreillettes comme ça. Le Gire de Brenda York. Alors il est gratuit, d'ailleurs il est dans ma bibliothèque. C'est un bonnet gratuit. Je l'avais vu sur le site Berroco. D'ailleurs certainement que le lien y mène tout droit. Et donc, il a été tricoté pas mal de fois. Voilà. Alors, on va regarder l'image ici un peu en plus gros. Voilà. Ça fait un peu de texture et le petit pompon fait manuellement. Je trouve que... Voilà, un joli petit bonnet. Le Gire. Des châles. Alors, celui-ci, le Napshawl, à 8,01 € de Justina Lorkowska. Je vous présente souvent des patrons de Justina parce que je trouve qu'elle a des jolis modèles.
Alors là, quand on a des échevaux solitaires, qu'on veut un peu les mettre ensemble, eh bien écoutez, je trouve que ce châle est parfait. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. On peut lui mettre des pomponnettes. Voilà. J'aime beaucoup. Alors dans des tons comme ça, c'est sympa. Voilà, il y a 51 projets. Vous voyez, là il est dans des tons plus hiver, plus du gris chiné, de l'anthracite. Ici plus masculin peut-être. Avec du gris, du rouille et puis un beige. Voilà, plus foncé. Enfin, moi, le principe me plaît beaucoup. Voilà. Le principe de ce châle me plaît énormément. En plus, il ne doit pas être très compliqué à entreprendre. Vous voyez, des côtes, du point mousse et des rayures. Le genre de projet reposant. Voilà, des côtes, du point mousse, des côtes, du point mousse, des côtes, du point mousse, une petite alternance de couleurs entre chaque. Voilà. Moi, ça me va. Donc, le nappe shawl de Justine Alorkowska à 8 euros. Ici, alors là j'ai le patron aussi, c'est le color block. Je ne sais plus si je vous l'avais pas déjà montré ou j'avais l'intention de vous le montrer. Toujours Justina Lorkowska. C'est cet agencement de couleurs, vous voyez, avec tout un tas de mini, puisqu'on parlait des mini. Eh bien voilà, quand vous avez un calendrier de l'Avent, vous pouvez éventuellement. Avec le calendrier de Didier, vous voyez, je pourrais faire ça. Parce que c'est un ensemble de coloris qui s'harmonisent entre eux. On peut le faire sur moins de couleurs, vous voyez. Et je suis bien sûr que dans les 93 modèles, il y en a qui ont utilisé moins de différence dans leur ton. Vous voyez, là, il y a trois couleurs. Là, c'est des tons un peu rouge, chaud et bleu. Oui, je trouve que ça se prête bien, voilà, à tout un tas de coloris. Voilà, ici c'est aussi un ensemble de mini, vous voyez. Et tout est joli. Ça peut être plus doux, plus fondu, c'est fonction de vos envies. Là, c'est très pétillant. Ici, le châle est très grand, tout dépend de l'échantillon qu'on a. Ici, il est beaucoup plus sombre. Voilà, ici, c'est juste une alternance. Alors, il y a trois couleurs parce qu'il y a voilà, une petite raie de violet, du bleu, du gris bleu. Enfin, c'est vraiment le châle qu'on peut. Voyez, ici, c'est beaucoup plus doux en fondu de couleur. Là, c'est tout pâle, tout doux. Voilà, ce châle, on peut en faire tout ce qu'on veut. Le color block de Justina Lorkowska. Ici, le Winter Woods Shawl. Alors, c'est un patron gratuit que j'ai mis dans ma bibliothèque. Il est de Lindsay Fassian. Il est en bulky, mais bon, aiguille 6.
C'est un gros châle doudou, mais on peut très bien l'imaginer en déca seulement. Tout est fonction de la laine qu'on a. Vous voyez, là, il est vraiment, c'est vraiment un gros doudou. Pour le moment, il n'y a que deux projets parce qu'il est récent. Il est sorti tout récemment. Ben là, il y a des photos de famille. Il y en a qui servent de ravellerie pour faire des photos de famille. C'est spécial. Il est sorti en décembre, oui. Il est tout récent. Voilà. Alors, après, un col. Alors, j'aime beaucoup. Le Tango Braided Col de Alexandra Tavel à 5,15 €. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le principe. C'est avec une tresse. Je ne sais pas si elle est lettonne ou estonienne. Mais c'est de la très grosse laine aussi. Et j'aime assez ce principe. Alors, c'est de la bulky. Aiguille 8, donc ça doit aller très vite. 5,15 €. Alors, il y a 5 projets pour le moment. Ici, en couleur plus basse. Là, il est pas terminé. Là, la personne en a fait un bonnet. Voilà. Tango Braided Call. Une couverture. Alors, gratuite, Long to Knit Log Cabin Blanket de Stacy Perry en anglais. Et ben voilà, c'est une couverture qu'on fait par petits bouts. En tournant comme ça, on peut, voyez, l'inspiration est multiple, très colorée. Et puis, c'est le genre de choses, vous pouvez, si vous en avez fait qu'un, vous faites un coussin avec. Voilà, vous pouvez toujours vous lancer et puis, après coup. Il y a 1449 projets. Donc, patron gratuit, Learn to Knit a Log Cabin Blanket. Apprendre à tricoter une couverture log cabin, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, on est dans les petites mignonneries. À 4,57 € le The Green Child Amigurumi Baby Yoda. Alors typiquement les choses que je ne ferai jamais, mais sauf à avoir des enfants, des petits-enfants dans la famille. Mais vraiment, il est tout mignon ce petit personnage. Je le trouve vraiment très mimi. On nous le montre beaucoup de dos, le voilà de face. Alors ça se tricote en worsted, en aiguille 3,5 et 3,25. Voilà, 4,57 €. Un autre petit bri une petite bricole, le Wizard Gnome de Alex Chapoval. Alors 2,28 €. C'est une figurine à plat, il me semble. À moins que je vous dise des bêtises, non, il est bien rond. Alors, pour le moment, il n'y a que deux projets et pourtant. Ah, il est au crochet. Voilà, c'est un petit personnage au crochet.
Non, c'est bien un petit gnome, vous voyez, tout en rondeur. Bah écoutez, je le trouve très mignon pour 2 euros. Il a de l'allure, le petit personnage. 2,28 € en anglais, mais bon. Alors, ce designer, Alex Chapoval, si on va regarder ce qu'il fait, eh bien, il fait beaucoup de choses au crochet. Donc, si vous avez un manque d'inspiration, vous pouvez toujours aller voir. Bon, ne martyrisez pas vos chats, ne les transformez pas en marguerites. Les chats apprécient très modérément ce genre de choses. Contentez-vous de faire des peluches ou faites-vous un chapeau de sorcière. Donc voilà. On était parti du Wizard Gnome de Alex Chapoval. Ensuite, un petit nounours. Alors, le Dress Me Teddy. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Ce modèle pattern include. Voilà, bon, ça inclut les instructions pour le nounours, pour le petit pull raglan et pour du duplicate stitch, là, de la broderie sur le pull. Eh bien, il est très mignon, le petit nounours. Alors, 4,29 € et donc vous avez de quoi faire un pull, un petit nounours et de la broderie sur le pull. En déca. Des boules de Noël. Alors, au tricot, au point mousse, spirale Tawashi. C'est un patron gratuit. En worsted, en anglais. Bon, bah, écoutez, si vous manquez de boules de Noël, en voilà qui ne casse pas. Et vous avez des chats, justement, eh bien, c'est le moment de tricoter les boules de Noël. Là, au moins, pas de surprise. Le chat ne les cassera pas. Des pulls. Alors, le premier, Fossette de Devin Ventre. Ventré, je pense que ça se dit. Il est d'avril 2020, se tricote en déca et il est accessible ici sur un site Nitty Hempersley. Voilà. Donc, un joli petit pull avec des points un peu texturés, un yoke. Je le trouve très mignon. Et il se tricote, oui, je vous l'ai dit, en déca, aiguille 3,75 €. Il est en français, accessible en français. Un jacquard, le Nordic Knights de Jennifer Stangas. Alors, il se tricote en fingering. Et il est en anglais. Voilà, un bel empiècement avec du jacquard et sur le bout des manches. Un beau pull. Il me plaît beaucoup. Je l'avais repéré pour utiliser ma pelote de fil arc-en-ciel sur un fond plus foncé. Je pensais que ça serait pas mal. 8 euros. Alors, ici, c'est Van Gabond, la tricot meringue, qui s'est lancée dans le design Flower Sweater. Alors, elle a sorti 2-3 modèles pour le moment, dont celui-ci, que je trouve pas mal aussi avec ce jacquard inversé. Un gros col montant, des manches un peu larges. Et ça le fait un peu resserré sur la taille.
C'est pas mal. Alors, c'est de la grosse laine. Il se tricote en déca. Voilà, puisqu'on peut mettre de light fingering pour faire un déca. De la Holzgarn, par exemple. Alors, 8,14 €. Un autre jacquard Oreum Sweater de Gabriel Vézina, en français et en anglais, à 9,14 € en sport. Alors celui-ci, il a le jacquard dans le bas du pull. Ils sont souvent sur le haut, et bien là, c'est sur le bas. Et le haut est une encolure bateau. Puis, il n'y a pas l'air d'y avoir de motif sur les manches, rien du tout, tout simple. Voilà. Le Oreum Sweater. Un gilet. Le Jenny Jacket V-neck de Petite Knit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Petite Knit. 6,99 €. Alors, un gros gilet avec de la texture. Et je pense que la bande se fait en même temps. La bande de boutonnage se fait en même temps, visiblement. Ou peut-être pas, hein. Je dis ça, mais pas forcément. En tout cas, il est très joli. Ça fait une belle veste. Alors, il se tricote en fil chaussette, en worsted, voilà, de fil chaussette doublé, aiguille 4 et 3,5, de la taille XS à 5XL, du petit knit. Et là, c'est un gilet gratuit, le June to Lie Cardigan qui vient de sortir. Je l'ai découvert cette semaine dans Instagram de Tina Uktaniemi. Donc, c'est un basique, il est tout simple. Voilà, pour le coup, lui, il a la bande de boutonnage qui se fait en même temps. Et il peut être interprété avec des rayures. Donc, en fingering, aiguille 3, 3,75 €. Et il se fait avec de l'aisance de 14,5 cm. 14 cm et demi. Et c'est tout pour la sélection de patrons.